Bonjour, stagiaire, bonjour à tous. On va voir avec vous la correction du contrôle des contrôles de la législation de travail. La valise de l'exercice, on va corriger au fil à mesure contre SA. On a une lettre de mise à pied. On a la société de contrat SA 113 1325. J'ai adressé Monsieur Fatih Hassemiri. Peut-être madame, par contre. Je vais me faire un peu de temps pour madame. Malgré nos nombreux reproches qui ont été adressés à votre chef bureau au cours du mois de mars et d'avril, notre avertissement de l'été, votre comportement laisse toujours à désirer. En effet, nous n'avons pas de secteur employé avec qui vous avez eu des accroches sérieux. De plus, une partie de notre clientèle se plaint des réponses de déplaisantes que vous faites concernant le service, tout en étant conscient du préjudice que cela peut porter à notre image de marque. C'est pourquoi nous confirmons que la présence de vous mise à pied suisse déjà annoncée le 15 de ce mois. Nous tenons bien sur votre état actuel, votre congé de maternité était le 9/2020. Cependant, si vous êtes remarques sont faites à votre sujet, nous serions contraints malgré tout d'engager une procédure de licenciement conformément au règlement antérieur. Acceptons monsieur le chef de personnel cité par monsieur Jedlaoui. Idem, quand on a une première question, idem. Quand on a le cours à la mise à pied, réfléchir un peu. Aux sanctions. En cas de manquement. Respect du règlement. Intérieur. À la législation du travail. Deuxième question, madame Smith a payé pour cette période. Non. Et les autres indications. Sont. Sont suspendues. Et
troisième question. Passons. La mise à pied constituée en cas de rupture justifiée. Non. Car il y avait le travail de surveillance. On pourra travailler sur quatrième question. Citer trois exemples de rupture de contrat de travail. Citer quelle année pour les mois. Démission. Le test. Maladie de longue durée. Pourquoi je suis à cause? Oui, bien. Je crois que tu vas dire quatrième, cinquième question, pardon. Après avoir défini le règlement du personnel des conditions de sa validité, et dans le règlement, c'est l'ensemble des règles. Validité ou comme affichage sur le lieu de travail, approbation ou respecteur de travail. Je pense sixième question. Après les appels, sans doute qu'elle est la madame de Fritali. Le plan normalement est un cas personnel. Explique à quoi consiste la poursuite de licenciement. Mmh.
informer l'inspecteur de travail. Les bénéficiaires du travail de ce droit. Délai de congé, indemnité du etc. C'est le cas de travail. Et d'ailleurs, c'est la dernière question. Et matriculé à la crise du Gouvernement, Mme Smila a l'attente du bénéfice du compte assuré social de cette prestation. Le cas. Et maintenant, prestation à court terme. L'intimité journalière l'intimité journalière de maladie d'invalidité et la pension de vieillesse et la pension de survivance. Merci de votre attention jusqu'à la prochaine séance. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir d'autres vidéos.